them all again. Y'all are dead, my exit. Tell you my land, say my young life double. For a man, big line of the man. Too much land, y'all are good of chimney. Some of your life ground to sorry. For my dad, they put down the gassima. Never jack is in bed, I'm a tumor. My poor better tumble every month. Wait for me, wait for me, wait for me. I'm on my way, just wait for me. Wait for me, wait for me, wait for me. I'm on my way, just wait for me. I'm gonna shut them all again. I come a fight like Beethoven. You ain't got it, it's a pity. I got the key of the city. Fire my Farmare, ma non è mai passante ma Farmare. Oh, 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 oh. Wait for me, wait for me, wait for me. Wait for me, wait for me, wait for me, wait for me. Bye bye, Santa man, love me, the hey, I do back. Wali pende man, the mighty villain, the beguna, la terre. Sama dar dar like jafe jafe, may khus din afe, bayek si fi mane, ni di sani ay pote, anangen gis mane, magitong man sama kon, dehano sa niya. Wait for me, wait for me, wait for me. I'm on my way, just wait for me. Wait for me, wait for me, wait for me. I'm on my way, just wait for me. I'm gonna shut them all again. I come and fight like Beethoven. You ain't got it, it's a pity. I got the key of the city. Farmare, my blood on my land, yeah. Farmare, domi burla, domi gorla. Farmare, mama don't let my back sound it now. Farmare, oh, 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 oh. Real me di mano ye, nanu. Fashion, 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 Africa. Khalifi, Mande walu len ma wax koko xale bi lekatu mandax mo nanu tuma ne wa tuma wo sama xol ya ci ne
duggal ci kër ni di ñaan jabar su xamé lo do la galale yox duggal ci kër ni di ñaan jabar su xamé lo do la galale yox ni woma ya moro woma 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 shiri mi amba ni woma ya moro woma 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 shiri mi amba to
j'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. Maruki, they launch
si sama jamaji di ton tor ti sama ibu wa a shere bagna Love.
Oh,
Disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta. Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta. Boinha desafio, é demais. Amor é bem diverso e é nele a rabinha. Too much. Boa, tudo minha fé na paz. Criança, te torna a brilhar de inocência
e na noite as gritaiada. Temporal talvez está mais na. Gente, mi amor, e na noite se esgritaiada, temporal talvez está mainã. Na brandura e calmaria, nós amor está bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor está bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Je t'aime, mi amor, et mes libertés fille, et n'elle est à la villa, too much. Boyenia Zephyr, et demain. Je t'aime, mi amor, et mes libertés fille, et n'elle est à la villa, too much. Boye toute mia fille, n'a pas.
aqui. Só vai ganhar aqui. Village vou lá ver. Lá de novo, meu amigo. Fashion, fashion, fashion.
une collection un peu traditionnelle parce que c'est pour faire valoir et montrer partout dans le monde le faso d'Amfani qui est fait des mains d'Africains, les femmes africaines, et c'est cousu par les stylistes africains. Alors c'est pour un peu dévier au blanc parce que ce tissu par exemple c'est cultivé au Burkina. C'est filé au Burkina, c'est encore teinté au Burkina et c'est les couturiers qui ont créé leur modèle pour ressembler un peu à tout. Parce qu'avec ce tissu, on peut faire des costumes que vous voyez, qui n'ont rien à voir avec le tissu du blanc. Il peut faire une tenue traditionnelle, il n'y a pas traditionnel de Burkina ou de l'Afrique. Donc, on peut tout faire maintenant avec le tissu. Moi, j'invite aux autres couturiers, surtout burkinabés, africains en général, de créer des travaux avec notre tissu. Parce qu'on l'a dit que Samsa, ça veut dire que l'enfant qui est malin, qui paye le bain de sa maman. Parce que maman a l'argent. C'est pour lui, mais il a essayé de faire quelque chose. Il ne faut pas que l'Africain oublie qu'un jour, si les Blancs refusent de nous vendre des tissus, on fait comment? Donc il faut qu'on leur apprend aussi à payer pour nous, parce qu'un jour, ils auront besoin. D'habitude, je présente beaucoup de couleurs, je n'ai pas de restrictions, je me faisais plaisir sur les couleurs. Voilà, mais cette fois-ci, j'ai travaillé sur deux couleurs, le noir et le blanc, pour voir quand elles se rencontrent, quand elles s'entremêlent, ce que ça donne. Et en même temps, c'était un clin d'œil à tous les designers, les artisans de la mode, qui font des nuits blanches des fois pour présenter leur collection. C'est un énorme boulot et j'ai voulu leur faire un clin d'œil comme ça. Moi, vous me connaissez, je n'ai pas de restrictions. Pour moi, la vie, elle est faite de rencontres. Les gens se rencontrent, les matières aussi doivent se rencontrer. Il y a du bogolan, il y a du pagne baoulé, il y a du lin, il y a de la soie, il y a des garnitures, il y a de la soie, du viscose, il y a un petit peu de tout, quoi. Et l'idée, c'est vraiment de les associer pour que ça crée quelque chose chez les gens qui les portent, mais aussi qui regardent. Susciter quelque chose, une sensation, voilà, un certain intérêt. Faire plaisir déjà aux gens qui sont là, qui viennent voir les collections qu'on présente, que ça soit vraiment différent de ce qu'ils ont dans leur armoire, dans leur vestiaire. Parce que finalement, c'est ça la mode, quoi, surprendre les gens et leur faire plaisir. Après, ça peut créer des connexions, l'aspect commercial, mais aujourd'hui, c'est un spectacle. Il faut que ça soit spectaculaire, en fait. C'est le but recherché. Les pièces que vous voyez, c'est des pièces uniques. Et j'ai essayé de faire cette fois-ci un thème sur les Peuls, en hommage aux Peuls, donc sur une idée de concept et plutôt, j'allais dire, d'une collection que j'appelle Afro Sapiens, et qui fait un clin d'œil justement au peuple nomade, au peuple Peul, donc cette ethnie qui a eu malheureusement dernièrement des problèmes au Mali. Et c'était pour montrer un peu la convergence et surtout l'énergie qu'on devrait donc avoir dans ce continent qu'on aime tant, qui est le nôtre, qui est un continent qui s'est soudé depuis des millénaires avec justement le brassage de cultures, de gens différents. Je voulais apporter ce message justement de montrer encore une fois de plus que jamais, on doit être unifié. On doit avoir l'unité, bien sûr, africaine, mais surtout une vision commune. Il ne faut pas que les intérêts nous divisent. Et puis surtout qu'il n'y ait pas des éléments externes qui viennent briser ce que des millénaires, nos grands-parents, ont construit ensemble. Et je pense que les peuples du Sénégal, du Mali, de Burkina ou de Gambie, en passant par le Cameroun, je pense que c'est un grand peuple. On a été, Dieu merci, depuis des années, à côtoyer avec d'autres ethnies. Et la preuve ici au Sénégal, les peuls de Fouta Djallon sont très proches des Foutankés. Moi, je suis issu de cette ethnie. Et donc, j'ai voulu, en fait, naturellement, montrer un tout petit peu, encore une fois de plus, que l'Afrique est le berceau de l'humanité et qu'on n'est qu'un seul peuple. Pourquoi Saint-Louis Fashion Week? Parce qu'on est des Saint-Louisiennes. On aime notre ville
et on est des amis de Madeleine. Et on trouve que ce qu'elle fait est extraordinaire comme travail et donc mérite de l'attention et notre attention particulière. Et donc notre contribution est sans limite. Ça s'est passé vraiment, c'était magnifique. On a le Burkinabé et on a le Congolais à côté. On a à côté les artistes, les stylistes sénégalais qui sont de la diaspora, comme quelqu'un que j'ai connu hier, que je ne connaissais pas, Silla, et puis moi-même et Madeleine, notre hôte, et l'initiatrice de la Saint-Louis Fashion Week. Et chaque année, on a des internationaux qui viennent se joindre aux nationaux et la mode se passe ici, en d'autres termes.